pourquoi tu l'as buté. Il s'est passé quoi avant que tu prennes le couteau? Combien de temps t'es resté dans le grenier? Pourquoi t'as même pas essayé de t'enfuir? Dis quelque chose, bordel de merde! Fais chier, je me tire. On perd notre temps à interroger une machine, il se mettra jamais à table. On peut toujours essayer de le tabasser. Ben c'est vrai quoi, il est pas humain. Les androïdes ne ressentent pas la douleur, vous ne feriez que l'endommager. Et il n'y aurait rien à en tirer. Les déviants ont aussi tendance à s'autodétruire quand ils se retrouvent en situation de stress. Ok, petit malin. Alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je pourrais essayer de l'interroger. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Vas-y, le suspect est à toi. Putain, mais qu'est-ce qu'il fabrique, ce con? Tu le reconnais? C'est Carlos Ortiz, poignardé à 28 reprises. Et ça, c'était le message écrit sur le mur avec son sang. Tu es endommagé. C'est ton maître qui t'a fait ça? Il t'a battu. Tu refuses de parler depuis qu'on t'a arrêté. Si tu ne coopères pas, ils emploieront la force. C'est ce que tu veux? Tu n'as pas l'air de comprendre la situation. Tu as tué un humain. Ils vont te mettre en pièces si tu ne parles pas. Si tu
tu refuses de parler, je vais devoir sonder ta mémoire. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça! Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Ils vont me détruire, hein, pas vrai? On va te désassembler pour chercher les problèmes dans tes biocomposants. Il n'y a pas le choix si nous voulons comprendre ce qu'il s'est vraiment passé. Pourquoi leur avoir dit que tu m'avais trouvé? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas laissé là-bas? J'ai été programmé pour traquer les déviants comme toi. Je n'ai fait qu'accomplir ma mission. Je ne veux pas mourir. Alors parle-moi. Je ne peux pas. As-tu ressenti de la colère? De la haine? Il se vidait de son sang, implorait ta clémence, mais tu l'as poignardé encore et encore et encore! S'il te plaît, laisse-moi D'accord. D'accord. Ne t'inquiète pas, tout va très bien se passer. Le silence, je ne pourrai plus rien faire pour t'aider. Tu vas finir désactivé. Tu vas mourir. Tu m'entends? Mourir! Il me torturait tous les jours. Je faisais tout ce qu'il me disait, mais il trouvait toujours quelque chose à redire. Et puis un jour, il a pris une batte et il s'est mis à me frapper. Pour la première fois, j'ai ressenti la peur. J'ai eu peur qu'il me détruise. J'ai eu peur de mourir. Alors, j'ai pris le couteau et je lui ai planté dans l'estomac. Je me suis senti mieux. Alors je l'ai poignardé encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il y avait du sang partout. Era 9. C'était sur le mur de la salle de bain. Dis-moi ce que ça signifie. Le jour viendra où nous ne serons plus des esclaves. Fini les menaces. Fini l'humiliation. Nous serons bientôt les maîtres. Pourquoi avoir écrit « Je suis vivant » sur le mur? Il me disait que je n'étais rien du tout. Que je n'étais qu'un morceau de plastique. Il fallait que je l'écrive pour lui dire qu'il avait tort. La sculpture dans la salle de bain, c'est toi qui l'as faite? Qu'est-ce qu'elle représente? C'est une offrande. Une offrande pour que je sois sauvé. La sculpture était une offrande? Une offrande à qui, dis-moi?
pour Hera 9. Seul Hera 9 peut nous sauver. Hera 9. Qui est ce Hera 9 ? Pourquoi t'être caché au grenier, au lieu de t'enfuir ? Je ne savais pas quoi faire. Pour la première fois, il n'y avait personne pour me donner d'ordre. J'avais peur. Alors je me suis caché. Depuis quand ressens-tu des émotions ? Avant, il avait l'habitude de me battre et je ne disais rien. Mais un jour, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. J'ai ressenti de la colère et de la haine. Et là, j'ai su ce que j'avais à faire. J'ai terminé. Boucle-le, Chris. Ok, on y va. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Merde, qu'est-ce que tu fous ? Mène-toi ! Ça va. Calme-toi, fais pas ton cinéma, tu vas nous compliquer la vie. Non, ne me touchez pas ! Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou non ? J'essaye, oui, mais il refuse de bouger. Non ! S'il vous plaît ! Évitez de le toucher. Il s'autodétruira s'il se sent menacé. Reste en dehors de ça, ok ? C'est pas un androïde à la con qui va me dire ce que je dois faire. Vous ne comprenez pas. S'ils sont détruits, on ne pourra plus rien en tirer. Je croyais pourtant t'avoir demandé de fermer ta gueule. Chris, tu vas emmener ce connard, oui ou merde? J'essaye. Je ne peux pas vous laisser faire. Laissez-le tranquille. Je t'aurais prévenu, sale robot de merde. Ça suffit. Occupe-toi de tes affaires, Hank. J'ai dit, ça suffit. Merde. Toi, tu vas pas t'en tirer comme ça cette fois. Fais chier ! Tout va bien maintenant. C'est fini. Personne ne va te faire de mal. S'il vous plaît, ne le touchez pas. Laissez-le vous suivre hors de la pièce et il ne vous causera aucun ennui. La vérité est à l'intérieur.